Dans l'actualité de ce dimanche soir, la mort d'André Rousselet, le fondateur de Canal+, s'est éteint chez lui, aujourd'hui à l'âge de 93 ans. Outre la chaîne cryptée, André Rousselet était à la tête de la compagnie de taxi G7. Il restera aussi comme l'un des grands fidèles de la première heure de François Mitterrand. Il avait été notamment son directeur de cabinet. Écoutez la réaction de Jack Lang, qui faisait avec lui partie des proches de l'ancien chef de l'État. D'abord, il a été un fidèle parmi les fidèles de François Mitterrand. Tout au long de la longue marche qui était celle de François Mitterrand avant de réussir à gagner l'élection présidentielle. Et puis, la grande œuvre d'André Rousselet, c'est la création de Canal+. Et Canal+, on n'a pas idée des difficultés que Rousselet a rencontrées pour lui donner naissance. Et sans l'intelligence, sans la combativité, sans l'opiniâtreté d'André Rousselet, Canal+ n'aurait pas existé. Il a introduit l'humour, la dérision, la liberté. André Rousselet était un personnage au caractère bien trempé. C'était quelqu'un d'extrêmement attachant. Je ressens évidemment toute la perte que représente sa disparition aujourd'hui. Jack Lang qui rendait hommage à André Rousselet qui s'est éteint donc aujourd'hui à l'âge de 93 ans.